Et voilà le travail, j'ai terminé de creuser par ici et oula, oula, j'ai mal à la tête. Oulala, qu'est-ce qui se passe? Ouah, qu'est-ce qui s'est passé? Oulala. Ouh, on dirait que ça s'est aggravé. Ah ouais, d'accord, c'est aggravé, tout est encore plus en Lego, on dirait, j'ai l'impression. Est-ce que les vaches ont été encore plus contaminées, genre, par rapport à d'habitude? Ah ouais, elles ressemblent plus à rien, les vaches, ah, les pauvres. Bon, il va falloir qu'on construise cette maison, si on veut s'abriter, il faut qu'on continue de chercher, en fait, une réponse à ce qui se passe. L'inventaire ne ressemble plus à rien, je comprends plus ce qui se passe, à part ici. À quoi ressemble le lit, maintenant, depuis cette évolution? D'accord, ouais, le lit s'est gâté encore plus, on dirait. Alors qu'on arrive à construire cette maison, mais ça va être difficile. Et donc, pour construire cette maison, je vais devoir placer ces blocs de cobble, juste comme ceci. Peut-être former un début de maison en Lego, mais il me semble que je n'ai pas assez de ressources pour construire cette maison, ce qui est assez dommage. Je vais devoir partir dans les grottes. Et tout d'abord, je juge bon de placer ce lit juste ici, parce que je pense que c'est intéressant, en fait, de pouvoir y retourner. Je vais éclairer les alentours, afin d'éviter que les monstres n'apparaissent et ne tentent de chasser ma maison. J'essaie aussi de fabriquer plus de torches, et donc de beaucoup mieux éclairer les alentours. Et maintenant que tout est éclairé, je pense que je vais pouvoir partir dans les grottes avec mon épée démesurée. Ouah, même les moutons ne ressemblent plus à rien. Je me demande ce qui s'est passé depuis que j'ai eu mal à la tête, mais on dirait vraiment que le monde s'est encore plus corrompu qu'avant. Les poulets sont de plus en plus plastiques. Tout semble dégager une odeur de plastique de neuf. Après qu'on m'en enverrait dans plusieurs jouets. Et tout semble être assemblé bizarrement. Tout était très étrange au niveau de l'apparence. Mais il me faut plus de pierres pour construire cette maison, sinon je ne pourrais pas avoir un abri. Qui sait quel monstre horrible rôderait dans ce genre de monde? Par ici, une armée de zombies. Je pense avoir l'épée, donc je pense pouvoir affronter cette armée. Mais ces zombies semblent être très différents de d'habitude. Avec leurs mains en Lego, j'ai bien peur qu'ils décident qui sait quelle horrible chose pourraient-ils me faire avec leurs mains. Les torches ne ressemblent plus à rien. On dirait maintenant juste un morceau de Lego très petit. Je vais devoir en placer d'autres. Il va falloir bien éclairer l'endroit si on veut éviter que les monstres n'apparaissent de nouveau. On va en placer une ici à la place de la source d'eau. C'est parti, on s'en débarrasse. Hop là, très bien. Par ici, semble-t-il, il y aurait du fer. On va le récupérer. Ah non, ce n'est pas du fer, il s'agit tout simplement de cuivre. Maintenant, le cuivre et le fer se ressemblent, ce qui va rendre les choses encore plus difficiles. Peut-être que le cuivre me serait utile dans ce genre de contexte. Peut-être pour faire le toit de la maison, par exemple. Je vais récupérer le charbon, ceci dit. Très bien, tout le charbon semble être récupéré, on va pouvoir couper cette source de lave. Même la lave est devenue en Lego. Ouh là là, ça s'est encore plus aggravé qu'avant. Mais j'ai vraiment pas l'impression que ce soit une pioche avec laquelle je mine. J'ai l'impression plutôt que c'est un marteau. Quelle est son appellation en anglais? Ouababrick. Ce n'est plus une pioche. C'est désormais un autre outil complètement différent. Quel est donc ce bloc étrange? Je ne le connais pas. Essayons de le creuser. Ah, il s'agit tout simplement du gravier, ou du moins de la nouvelle apparence. Et je n'ai pas obtenu du gravier, mais plutôt du silex, on dirait bien. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je continue de récupérer ce cuivre, et on va pouvoir rebrousser chemin. Nous, cet arc est démesurément grand. Ce squelette a un arc beaucoup trop grand, si vous voulez mon avis. Mais j'ai pu le récupérer à mon tour. Ouh là là, l'arc semble vraiment être super lourd à porter. Je me demande comment ça fonctionne. On dirait que ça marche, malgré sa taille imposante. On va essayer de manger un petit peu parce que je commence à avoir faim. Et on va récupérer ce cuivre. Tout ceci m'a l'air bien étrange et je n'ai pas de bouclier pour me défendre contre ce squelette, donc on va tenter cet arc. Et je n'ai plus de flèche. Mais l'arc fonctionne, malgré la grande taille. Je continue de miner, de creuser, afin de récolter plus de ressources. Là par ici, semble-t-il, il y a plus de charbon. Ce qui me donne également l'occasion de récupérer de la pierre. Très bien, je pense que j'ai assez exploré cette grotte comme ça. Je vais pouvoir rentrer à la maison. J'espère tout simplement que les monstres n'ont pas commencé à envahir la maison. Après tout, j'ai tout bien éclairé. Ce serait bien dommage qu'ils apparaissent quand même. En plus, il fait nuit, ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle. On va sortir d'ici, on va regagner le lit en toute vitesse. Il est difficile pour moi d'y voir quelque chose, alors je vais prendre mes torches en main, histoire d'éclairer les alentours. Et nous sommes arrivés au début de structure que me sert de maison. Je vais pouvoir dormir à l'intérieur du lit à la belle étoile, malheureusement. Très bien, nous avons survécu une nuit de plus dans ce monde très étrange en Lego. Je vais placer plus de pierres par ici, on va continuer de construire notre maison. Et évidemment, défendre la maison contre les assauts des zombies. Très bien, nous avons fait la première muraille de la maison. On va pouvoir faire une ouverture pour l'entrée. J'ai eu pour idée de placer l'entrée de la maison juste ici, mais ce sera seulement une seule porte. Ainsi, ce sera plus simple pour moi de construire tout ceci. Puis je me dis que quitte à construire une maison, autant la faire plus jolie, peut-être avec les blocs de Lego qui sont aux alentours, ça pourrait être intéressant. C'est décidé, je vais peut-être traverser cette rivière une deuxième fois, en espérant que les monstres de la dernière fois ne m'attaquent pas de nouveau. Ah, il semble qu'il y ait des loups par ici, je vais pouvoir en apprivoiser un, peut-être. Et non, le loup n'a décidément pas voulu me suivre, ce n'est pas très grave. Nous allons récupérer cet arbre. Parfait, j'ai pu obtenir du bois de bouleau. Je me demande si c'est suffisant, ceci dit, pour ce que je m'apprête à construire.
Parfait, je pense avoir récupéré assez de bois comme ça pour construire la maison. On va pouvoir retraverser ce fleuve et rentrer. D'ailleurs, je pense qu'il vaut mieux ici construire un pont pour relier donc les plaines à la forêt. Ce serait beaucoup plus simple pour moi et donc pour mieux faciliter le transport des ressources. Peut-être aussi construirais-je un village juste ici près de la maison. Ça pourrait être intéressant. Mais ça impliquerait aussi une amélioration de cette maison qui semble avoir une structure de base un peu, voilà, un peu simple comme on sait, mais je n'ai pas assez de ressources pour construire mieux que ça. Nous allons déjà commencer par faire le sol de la maison. Et maintenant, plaçons le bois de bouleau à la place du stable. Je sais pas, à mon avis, je pense que ces planches-là rentrent super bien avec le côté Lego. Nous allons ensuite faire les piliers en bois qui sont sur le côté de la maison, comme ceci. Et je pense pouvoir faire une fenêtre juste ici, près de l'entrée. Et faire une fenêtre par ici aussi. Et ici aussi. Oh super, je n'ai plus de bois dans l'inventaire, je vais devoir encore retraverser ce fleuve et... Ouh là là, qu'est-ce qui se passe donc? Pas encore ce mal de tête, non? Ah, que s'est-il passé? Oh non, ça s'est aggravé encore plus, c'est ça? Le monde semble beaucoup trop réaliste pour être un monde ordinaire Minecraft. Mais c'est plus joli quelque part. Je sais pas, je trouve que l'environnement ainsi fait a l'air d'avoir une apparence plus soignée. Peut-être ça me permettrait de mieux voir et facilement voir les ressources dans les grottes. J'ai traversé de nouveau ce fleuve et je vais essayer de récupérer plus de bois. Je dirais bien que ce loup a décidé de tuer ce mouton. Du coup, j'ai obtenu des planches sur lesquelles il y a dessiné de la viande. Peut-être c'est pour m'indiquer qu'il y a de la viande par ici. Et j'ai obtenu un morceau de Lego qui semble ressembler à une pomme aussi. Ce qui est plutôt assez drôle à voir. J'ai replanté les arbres qui ont été détruits par ici. Ici, il semble y avoir un petit cours d'eau, mais je pense pas que ce soit intéressant d'aller observer ça de plus près. J'ai récupéré plus de bois, je pense. Très bien, j'ai maintenant 60 planches de bois, ça pourrait être intéressant pour la suite. Je vais récupérer cette pousse d'arbre et je vais la planter près de la maison. Peut-être ça sera beaucoup plus simple pour moi de casser le bois que je viens juste de planter. Et nous sommes rentrés au début de la structure qui nous sert de maison, que je trouve vraiment intéressant déjà en termes de design, même si ça change vraiment d'habitude sur Minecraft. Peut-on encore appeler ce jeu Minecraft maintenant, avec tout ce qui se passe? Très bien. Ce que j'ai en tête pour le plan de la maison, c'est que ici je vais placer une cuisinière et une zone de craft, et ici je vais placer bien sûr des coffres et des conteneurs à ressources. Ainsi, l'architecture de la maison, ce sera beaucoup plus intéressant comme ceci. Je vais commencer par placer la table de craft, l'établi juste ici, et je vais placer mon four comme ceci, le four qui semble avoir une apparence encore plus dégradée qu'avant, et je vais commencer à cuire la viande crue que j'ai obtenue dans l'inventaire. Ensuite, je vais concevoir des coffres que je vais placer juste ici au niveau de l'espace pour les conteneurs. Dans le coffre, je vais consigner tout ce qui ne me sert à rien. Comme ceci. Et je vais créer une porte pour la maison, afin de mieux se protéger. Et voilà le travail. Je vais penser à éclairer également la maison, je pense que c'est logique, puisque c'est mon espace de vie désormais. Je vais placer des torches de manière stratégique sur la maison, afin de pouvoir tout éclairer en même temps. Et alors qu'il fait nuit en ce moment, je décide de rester à la maison et de tout simplement dormir pour passer la nuit. Et me voilà réveillé pour une nouvelle journée, je constate qu'il y a des nuages qui sont apparus dans les cieux. Peut-être que ce monde se stabilise, peut-être que ce n'est pas si dangereux que ça. Je constate aussi que l'eau semble s'être également stabilisée. C'est beaucoup moins dense et beaucoup plus Lego, de ce que j'ai l'impression. Et pour moi, aujourd'hui, il s'agit d'une merveilleuse journée pour aller collecter des ressources et terminer cette maison.